Waouh! La chaîne a un nom, quoi! Mince! Hey mon gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo super spéciale parce que nous célébrons, je célèbre, j'espère aussi avec vous, les 1 an de la chaîne. Alors jour pour jour, le 16 janvier 2017, j'ai posté ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. On va faire un petit projet secret et ensuite à la fin, il y aura des choses à gagner. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez participer également au giveaway. La vidéo, c'est un peu de style en même temps. Donc ça sera moi parler comme ça là. Moi parler comme ça. Ça sera moi en train de parler comme ça. Et ça sera également un vlog où je vais vous emmener un petit peu dans la ville. Et ensuite, on va revenir ici pour le giveaway. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour la vidéo. Maintenant, je vais introduire un petit projet. Voilà, j'avais envie d'immortaliser en fait tout ce que représente TermVlog depuis le début. Du coup, j'ai travaillé pendant quelques temps là sur la création de design en fait pour immortaliser les différents noms et les différentes expressions que j'utilise sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études de 3D, donc modélisation, animation et tout ça. Ensuite, j'ai fait graphisme, donc tout ce qui est communication, site internet et autres. Là, je vais vous montrer un peu le processus et je vais vous montrer les différents designs. Et on va préparer tout ça pour imprimer sur des t-shirts. Cette vidéo, c'est vraiment pour immortaliser toute cette première année ensemble. Et j'espère que ce vlog va vous plaire. Et je vous dis à tout de suite. Hey Monica, là on se retrouve devant l'ordi. Je vais vous montrer un peu mon processus vite fait. Vraiment vite fait en fait, parce que j'ai pas envie de vous ennuyer. J'avais besoin de 3 designs, donc TermVlog et Moninga et Moninga Squad. J'en ai fait un en plus, mais je vais vous le montrer après. Le et Moninga, en fait, j'avais envie que ce soit vraiment joyeux, tu vois. Donc j'ai commencé à la main, ensuite j'ai numérisé tout ça. Et puis ça, c'est une des versions, ça c'est la version finale. Donc je trouve que ça représente vraiment le et Moninga qui est joyeux, qui est un pont qui est là quoi. Pour TermVlog, j'ai vraiment fait une signature assez simple, sympa. Et on a Moninga Squad qui, ça c'est vraiment tout simple, le hashtag Moninga Squad. J'ai fait essayer de faire une espèce de signature que je vais sûrement animer pour que ce soit comme le jingle des Bissap Talk en fait. Voilà pour les designs des t-shirts. Dites-moi en commentaire c'est lequel votre préféré. Donc là tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers le marché pour aller acheter des t-shirts. Et ensuite, on va chercher où les faire imprimer. C'est parti. Là, on va aller en direction du marché Poto Poto pour chercher des t-shirts. On est arrivé au marché. Le M. Le M. Ce genre de t-shirt. Je pensais que c'était mis. Hey Moninga, bienvenue dans la suite du vlog. Donc là, on va déposer les t-shirts pour les faire imprimer. On a trouvé un endroit vers les 10 maisons. Et donc là, on dirait que c'est des 10 maisons. Je ne manquerai de rien avec eau. Bon, c'est l'intention qui compte.
Bonjour chef, on cherche l'imprimerie, c'est pas ici? De quel côté? Ah d'accord, merci. On pensait qu'on était perdu, merci chef. Ah, ça a l'air chelou. On est à la scénographie pour imprimer les t-shirts. Quoi? Je prépare une fichier pour donner pour la prochaine. Tu as imprimé les trois là comme ça? Oui. Sur trois différents? Ah ouais, c'est cool. Digital. Hey Moniga, on a déposé les t-shirts à la sérigraphie et on vient les chercher avant 14h. J'ai trop hâte. Anyway, à tout à l'heure. Donc ça y est, il est 15h. On est même un petit peu en retard. On va enfin chercher les t-shirts. J'espère que c'est réussi. On croise les doigts. Là, c'est comme vous avez fait ça sur le WhatsApp parce qu'ils jettent sur les t-shirts au dépôt. Il y a une tâche. Ah, on est dans la tenue. Bon la fille, montre un peu ce qu'elle attache. Je hais mon Nina en plus. Oh là là. Oui. Elle est grosse, très très grosse. Non, pas trop. Oh là. Bon, mais ça va, c'est pas grave. Bon, ouais. Waouh. Trop beau. L'accent, mon la fille. L'accent est mort quand il y a 10. Yeah. Ah, mort quand il y a 10. Hey. Ça, ça dure un petit peu, j'espère. Oui, ça dure. Ça aime tout la rigole que j'avais, ça passe. D'accord, cool. On a récupéré les t-shirts, comme vous avez pu voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça fait trop plaisir de voir sa création sur un t-shirt. Enfin, pas sur un t-shirt, mais sur un produit, quoi. Je suis tellement excitée que je veux déjà mettre mon t-shirt. Je vais juste le mettre en haut. Voilà. Nice. We love you, Dam. Ok. Hey Moniga, donc là on va essayer de me faire une nouvelle photo de profil parce que mes amis ils disent que ma photo est triste parce que je regarde en bas. Donc voilà, on va set up différents trucs. En plus là comme on a les t-shirts et tout, on va essayer de faire un truc sympa. Ah, mais je pense que tu devrais genre même sur un décor et tu essaies les trois. Et puis tu regardes ce que ça donne, comme ça tu as les options. Qu'est-ce que tu fais? Je scelle le décor. Hey Moniga. Hey Moniga, donc bienvenue dans la vidéo du giveaway. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vous expliquer rapidement les règles du jeu concours que je lance à l'occasion des 1 an de la chaîne pour vous dire merci. J'ai eu l'occasion d'aller faire un tour au Radisson Blu où j'ai découvert leur omelette au Sakasaka. Pour mes jeux concours ou autres trucs que je veux vous faire gagner, je veux vraiment que ce soit une expérience que j'ai déjà vécue dans un de mes vlogs et j'aimerais que vous viviez la même expérience. Donc dans cette vidéo, je vais vous offrir 2 bons d'achat pour 2 personnes au Radisson Blu. Là-bas, vous pourrez y prendre le petit déjeuner. Ils ont un buffet. Le buffet, il est bien sûr à volonté. Donc vous pouvez prendre une matinée, vous inviter quelqu'un que vous connaissez, que ce soit votre bien-aimé ou votre Moniga. Vous allez le matin et vous faites la razzia du petit déjeuner là-bas. J'espère vraiment que ça va vous plaire et j'ai trop hâte de voir qui va gagner ces 2 bons d'achat. Et aussi, j'ai trop hâte que vous m'envoyez des photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Moniga Giveaway. J'annoncerai le gagnant le 23 janvier. Donc, vous avez à peu près une semaine pour participer. Partagez cette vidéo au maximum. J'ai passé une année magnifique en votre compagnie et tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup de me suivre. Et merci beaucoup de partager mes vidéos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.